Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème partie sur Let's Play de Mario Party Advance sur Game Boy Advance. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre aventure, on avait fait les dernières missions de la jungle, on a également fait quelques missions du centre-ville avec la gare, la maison Goomba et la banque Koopa. Et aujourd'hui, on va essayer en tout cas de terminer les dernières missions qui se trouvent ici et là. Et je pense que pour l'épisode suivant, on essaiera de finir le jeu. Allez, on retourne ici, on va taper le dé, voilà, et on va se rendre à la première mission. Voilà, on va se rendre à la mission qui se trouve juste ici. Le manoir Goombob, c'est parti. Je m'appelle Goombob. Tu veux bien me rendre un service? Bien sûr. Un beau coquillage. Il faudrait que tu me trouves un truc. Je voudrais un beau coquillage. Enfin, c'est pour offrir. Tu veux savoir à qui? C'est pour une fille. Pour Goombetti. Je voudrais qu'elle m'aime. Tu ferais ça? Je te récompenserai. Bien sûr. Merci mille fois. Je compte sur toi pour le coquillage. Tu devrais chercher sur une plage. Allez, c'est parti pour la mission, mais avant ça, un nouveau mini-jeu nous attend. Ok, l'électrique fuite. Alors, je crois que tous les jeux, on les a vus, hein, il me semble. Donc maintenant, but pour moi, trouver un coquillage sur une plage. Et pour trouver une plage, il faut se rendre au bord de mer. D'accord. J'étais trop près. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai masse champignon. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Allez, direction la plage. On va essayer de s'y rendre au plus vite. Oh, 10, bien. Pour une fois qu'il me fait des gros chiffres. Ok, 6. 3, bon ça va, moi j'arrive vers la plage. Ouais, 1, point, loul. Allez, nouveau mini-jeu. Ok, étage rapido. C'est parti. Ok, le masque c'est bon. Oh. Allez-y les Goombas, allez-y. Vous êtes tous les trois là. Hop là, voilà, comme ça vous allez me donner beaucoup de points. Allez-y, montez, enfants, montez. Voilà. Donc là, l'ascenseur, attention, on est en surcharge, voilà. Faut quand même attention. Allez-vous, allez-y, montez. Tiens, toi aussi. Et comme ça. On est bon, parfait. Et une nouvelle mission de rempli. Tu reçois 3 champignons, très bien. Oh, 9, pas mal. Ok. 3, c'est très bien, je tombe sur une case verte. 3, c'est encore une case verte, c'est très très bien. Par contre, 1, c'est pas terrible. Loul. Ok, 5. Et voilà la plage. Allons-y. Quelle belle plage! Et ces coquillages! Tu veux ramasser un beau coquillage? Mais bien sûr. Voilà, et maintenant que j'ai ramassé mon beau coquillage, je vais pouvoir le ramener à Goombob. Mais avant ça, nouveau mini-jeu. Ah oui, l'orange boule, c'est vrai qu'on l'a vu à la va-vite celui-là. C'est vrai que j'aimerais bien vous le montrer aussi. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Ouais, je l'ai lâché un peu trop tôt, bon c'est pas grave. Oh mais vas-y! Mais t'es sérieux? Voilà, ça y est. T'as failli m'éclater dans les mains celle-là.
Ok, parfait. C'est pas fini. Voilà. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh. Voilà, là, c'est bon. Parfait. Ok, j'ai gagné le mini-jeu et je reçois 6 champignons de plus. Très bien. Par contre, ça commence à m'énerver de faire des 1 tout le temps, là. Ok, 10. Putain, et le revoilà. Remonte-moi en haut. Ouais, voilà, vas-y. Monte-moi en haut. Très bien, voilà. Putain, pour une fois que l'Unibowser est sympa. 8. Ah, dommage. J'étais pas loin. Ok, 9. Parfait. Nickel. Ah, tu es là. Alors, tu as trouvé le coquillage? Il est super beau. Merci. Bonjour. Oh, Goombetti. J'avais envie de te voir, Goombob. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Un coquillage. Pour toi. Vraiment? Merci. Je l'adore. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Toi et moi, si je m'attendais à ça. S'il te plaît, je t'aime beaucoup. D'accord. Je suis nerveuse, mais si heureuse. Hip hip hip. Ouah. Ouais. Je voudrais que tu essaies ce catatruc. Dessert. Merci pour tout. Au revoir. Et voilà un nouveau catatruc de fait, nickel. Il ne reste plus que 7 à faire. Ok, nouveau mini-jeu. Ok. Je préfère ça que le coupable bloc, parce que le coupable bloc c'est trop long comme mini-jeu. Ça c'est bien. Voilà, impeccable. Très bien. Tu reçois 3 champignons. Parfait. Ok, 8. Bah là maintenant on va essayer de se rendre au niveau de Bomba. De l'avenue Bomba ou pas. Oh. Ok, c'est bon, j'ai gagné. Allez, dégage. Dégage, mini Bowser, j'ai pas besoin de te voir. Ok, avenue Bomba, c'est parti. Salut, moi c'est Bomba. Écoute, j'ai un service à te demander. Vas-y. Belle et robuste. Merci, je voudrais un petit cadeau. Je veux une fleur, c'est d'accord? Une qui soit belle et très robuste. Tu peux me trouver une fleur? Vas-y. Merci, c'est très gentil. Je veux qu'elle soit belle et robuste. Elle pousse dans le désert. Ramène-en une et je te donne un catatruc. Et encore merci pour ton aide. Ok, nouvelle mission. Donc cette fois-ci, ramener une plante belle et robuste pour Bomba. Pardon, je vais y arriver. Encore électrifite. Oh là là. On vient de le faire celui-là. Bon, pareil, pour cette épreuve, je vais faire buter exprès. Comme ça, ça évite de perdre du temps, entre guillemets. Allez, butez-moi, voilà. Comme ça, on évite de traîner. Allez, à plus. Alors, 3. On va remonter là. Ok, 8, pas mal. Ah, mais je pourrais pas... Ouais, bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, on va redescendre. Oh, 10, pas mal. Ok. Ok, encore 10. Ça, c'est très bien, ça. Parfait.
Voilà, et la plante belle et robuste, bah, elle se trouve ici, voilà, puisque c'est une plante piranha que je dois lui ramener à mon Bomba. Une plante piranha, belle, robuste. Tu prends une plante piranha, bien sûr. Mais attention quand même, pas te faire bouffer la main. Ok, très bien, on a la plante piranha. On va pouvoir la ramener à Bombe Bomba. Ok, poire d'eau, on s'en connaît. De toute façon, on les a tous vus. Voilà, très bien, parfait. Ok, c'est gagné. Tu reçois 3 champignons, parfait. Alors 8, c'est pas mal. Ok, 4. Ah ouais, mais 4, c'est la case rouge. On va essayer d'éviter la case rouge, tiens. 7. C'est pas possible. Mais il commence à m'énerver, ce mini-bosseur, sans déconner. Tu m'énerves. Oh, il a gagné. Oh, c'est parti. Bravo, mini-bosseur. Je vais te prendre un de tes champignons. Ouais, comme ça. À la prochaine. Eh, mais marre-toi bien, bosseur, marre-toi bien. Vite. Ok, on va remonter comme ça. Bon, on va faire un mini-jeu. Alors, mini-jeu, lance-pierre, ok, ça va. Ça, c'est pas un jeu lance, ça va. Et c'est parti. Voilà. C'est gagné, parfait. Encore une mission pas compliquée du tout. Tu as gagné. Comme promis, voici 2 champignons. À la prochaine. Ok, 3. 2. Et 6. Parfait. Tiens, voilà ta fleur, Bombomba. C'était comment? Tu as la fleur? Eh, pas mal. C'est celle que je voulais. Belle, robuste, rusée et dangereuse. Merci. Prends ce catatruc. Jeu de main. Je vais te dire un truc sur les bonbombes. Ils protègent cette ville. Et leur chef se cache dans cette ville. Dans une pièce secrète de l'immeuble Champy. Va le voir, il est super. Mais c'est bon, on l'a déjà vu, le roi bonbombe, donc ça ira. C'est bon. Et une nouvelle mission de fini. Il en reste 6. Ok, voltige. Ça va, c'est des missions plutôt courtes, donc c'est bien. Voilà. ça, c'est des mini-jeux rapides, donc moi, ça me va. Comme ça, on perd pas de temps sur les mini-jeux, puis on enchaîne sur la carte. Bon, maintenant que ça s'est fait, il ne reste plus que l'immeuble, le manoir plutôt à aller visiter. Mais non! Mais tu te fous de ma gueule, mini-bosseur! Il est vraiment là pour me casser les pieds. Vas-y, reprends un champignon. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez, on va commencer par le sous-sol, puis on remontera au premier étage. Qui est là? Je suis Fantôlampe. Ici se réunit le club Todd Force 5. Est-ce que tu es fan? Absolument. Le fan club. Vraiment? Tu en as pas l'air. Montre-moi un jouet Todd Force 5. Tous les fans doivent en avoir un. Allez, montre-le-moi. Je l'ai oublié à la maison, dommage. Comment ça? Je n'y crois pas trop.
tu veux rentrer, trouve un jouet. Trouve-en un et je te laisse rentrer. Dépêche-toi, va au bric-à-brac. Bon bah maintenant, direction le bric-à-brac pour trouver un jouet. Ah dommage, j'aurais bien aimé que vous montrez le range-boue. Bon, c'est pas grave, c'est le saut de nuage, un jeu court, donc c'est bien. Voilà, en 10 secondes, c'est plié. Ok, tu reçois 3 champignons. Allez, maintenant direction le bric-à-brac. Ah, encore un mini-jeu. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire? Tornade, bon, ça va. Ah non, pas ce truc, non, c'est lent ce mini-jeu. Je le hais, ce mini-jeu, il est lent. Pour une fois que je passe bien en dessous. Oh, c'est pas vrai. Ok. 2x90, c'est pas mal. Donc en fait, oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais en fait, plus on est proche du bord, plus on gagne de points. Voilà, ça va, ça a pas duré trop longtemps, c'est déjà ça. Voilà, j'ai gagné, donc donne-moi mon champignon, voilà. 5. C'est par là. Et on va passer par ici. Ok. Très bien, impeccable. Bric-à-brac, oui, on s'arrête. Bienvenue au bric-à-brac. Que désires-tu? Bah, veux top 5, s'il te plaît. Tu veux un jouet, je suppose? Ils se vendent comme des petits pains. Tiens, voilà, c'est le dernier. Que désires-tu? Toxic Todd Z. Tu dois vraiment être fan. Toxic Todd Z est le roi des robots sport. Il a un laser et des missiles géants. Il est bien plus fort que Todd Force 5. En fait, ils sont parents, je crois. Désolé, mais on est en rupture de stock. T'inquiète, on va bientôt être livré. Non, bah c'est bon, merci. J'ai eu ce qu'il me faut. Allez, nouveau mini-jeu. Ok, le tonneau. On connaît, c'est parti. Oui, mon waf-waf. Poussez-vous les chiens-chiens. Oh, vas-y, il m'a touché. Allez, poussez-vous les toutous. Voilà, c'est bon. Hop, c'est gagné, parfait. Impeccable. Tu reçois 3 champignons, parfait. Oh, mais non, faut refaire... Faut que tu me fasses des gros chiffres. Mais tu te fous de moi. Il se fout vraiment de moi. Hein. Bon bah c'est reparti pour un mini-jeu du coup, vu qu'il veut pas me faire avancer. Le problème c'est que si je fais des 10, enfin, j'aimerais bien faire des 10 à chaque fois, au moins comme ça j'avancerai plutôt vite, et puis ça éviterait de faire des mini-jeux entre temps. Mais là comme j'ai avancé que de 8 cases, c'est long quoi. J'avance pas. Ok, parfait. Et c'est gagné, parfait. Ok, merci pour les 3 champignons. Oh mais, tu vas me faire avancer plus vite. Voilà, merci.
Ah, dommage, j'étais à une case près du manoir. Bon, c'est pas grave. Allez, immeuble effroi, sous-sol. Ah, tu es vraiment fan de Todd Force 5. Je vais garder ton jouet près de moi. Chouette, un nouveau membre. C'est cool. Tu es fan? Alors prends ce catatruc. Gros pépère, tu es officiellement membre du club. Il faut faire connaître Todd Force 5. Et une nouvelle mission de vie. Encore 5 missions à remplir, on y est presque. Ok. Rez-de-chaussée. Et salut, mon nom est Ninji. Tu pourrais me rendre un service? Bien sûr. Le DVD. Je veux un DVD. Lequel? Celui de Todd Force 5, bien sûr. C'est un dessin animé culte. Et le héros est tellement... Oh, désolé de m'emporter. Trouve-moi ce DVD. Ok. Oh, merci. Je te revaudrai ça. C'est une édition limitée très rare. Demande à un vrai fan de t'en donner un. Quelqu'un en a un dans l'immeuble Champy. Merci de ton aide. Allez, nouvelle mission. Donc là, cette fois-ci, il faut que je trouve un DVD en édition limitée à Ninji, pour Ninji. Évidemment, bah, vous l'avez peut-être compris, celui qui va me donner ce DVD, ça va être Jean-Paul dans l'immeuble Champy. Qui est vraiment un fan absolu. Ok, parfait, c'est gagné. Très bien. 3 champignons de plus, parfait. Ah, bah voilà, là tu me fais des gros chiffres, tu me fais plaisir. Il faut en faire plus de gros chiffres, hein. Non mais... Je t'ai dit des gros chiffres, pas des chiffres à la nulle, punaise. C'était bien parti, en plus. Non mais il se fout vraiment de moi. Les dés se foutent de ma gueule. Vraiment. Pas sympa ça. Allez, immeuble champi, rez-de-chaussée. Quoi? Je m'appelle Jean-Paul. Todd Force 5? J'adore. Tu veux quoi? Le DVD? Oh, tu cherches l'édition limitée? Si je l'ai, je suis un vrai fan. En fait, j'en ai 50. Vas-y, serre-toi. Et en plus, je... Non, j'ai rien dit. Ok, mini-jeu spécial. Oh, encore Voltige, mais... On fait toujours les mêmes jeux maintenant, c'est dingue. Au moins comme ça, ça va vite. Parfait. Tu as gagné le mini-jeu, tu reçois 6 champignons. Très bien. Allez, maintenant on va remonter voir Ninji pour lui apporter son DVD. En espérant faire des gros chiffres. C'est pas mal. Ah, la case rouge. Bon, la case rouge, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, vu le nombre de champignons que j'ai. Très bien. Tiens, Ninji, j'ai un truc pour toi. C'est le DVD en édition limitée. Il en existe que 50 au total. Et il est pour moi. Quel trésor. Merci, voilà un catatruc. Puzzle. Je vais le regarder tout de suite. Que j'ai hâte. Au plaisir. Parfait. Et une nouvelle mission terminée. Très bien. Il en reste 4 à faire. Mais avant ça, nouveau mini-jeu.
Ah, la main verte. Bah tiens, pour la main verte, je vais me foirer exprès. Sans perdre pas de temps. Voilà, je vais faire faner une fleur. Voilà, donc en fait, pour faire faner une fleur, il faut échouer 3 fois sur une même fleur. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, ça m'évite de perdre du temps. Allez, c'est parti pour le premier étage de l'immeuble d'Equilia. Je suis Mr. E, aventurier de l'inexpliqué. Y a-t-il un mystère à élucider ici? En fait, oui. Je m'appelle Sniffint. Peut-être que tu peux m'aider? Vas-y. L'immeuble mystère. Mystère, vous avez dit mystère. Allez, raconte-moi tout. L'immeuble est froid et tenté, il paraît. Mais je n'ai pas vu un seul fantôme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Fais apparaître un fantôme. C'est tout? Un jeu d'enfant. Merci. Tu ferais ça, mon élève? Bien sûr. Bonne décision. Je voudrais bien le faire, mais les fantômes et moi... Enfin, c'est une longue histoire. Voilà, donc le but pour moi, ça va être d'essayer de faire en sorte que l'immeuble, enfin que le premier étage de l'immeuble soit hanté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fantômes qui hantent ces lieux, et il faut que j'arrive à en trouver. Et le seul moyen de trouver des fantômes, bah, c'est dans le cimetière. Voilà, puisque c'est là que se cachent les boues. Qu'est-ce que tu veux? Il y a du trésor, tiens. Un trésor? Oui, on en a. On a notre statue, Bruno. Et en ce qui concerne l'immeuble? L'immeuble est froid? C'est un immeuble hanté, non? Mais je crois qu'on a oublié de le hanter. Merci de nous l'avoir rappelé. On va aller le hanter très bientôt. C'est notre travail de faire peur. Ok. Voilà, donc maintenant que les boues ont compris qu'ils ont complètement oublié en plus d'aller hanter l'immeuble effroi, bah maintenant que je leur ai réexpliqué les tout, bah ils vont pouvoir maintenant hanter l'immeuble. Allez, on va aller voir l'immeuble effroi une fois que ce sera fait. On s'arrêtera là pour cet épisode. Attention à pas se faire mordre quand même, ce serait bien. Parfait, nickel. Impeccable. Tu reçois 3 champignons, parfait. Allez, maintenant direction l'immeuble effroi. Normalement, les boues, s'ils font bien leur travail, ils devraient hanter l'immeuble dès maintenant. Je suis là. Un fantôme. L'immeuble effroi reprend vie. Je ne vais pas endormir de la nuit. Tout ça grâce à toi. Merci. Prends ce catatrunk. Aspire-bou. Merci encore. Allez, sauve-toi. Ok, l'immeuble effroi c'est fait, et maintenant bah, on a fait toutes les missions de la carte, c'est parfait. Il en reste 3, et c'est les 3 dernières missions de Bowser qui nous attend. Voilà, bah écoutez, vu qu'on est à 30 minutes, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là donc pour cet épisode. Et pour le prochain épisode qui sera, je pense, le dernier, on ira donc finir les dernières missions donc, qui se trouvent à la maison de tuyaux, où il reste... je ne sais même plus qu'est-ce qui reste. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste comme mission de Bowser à faire? Normalement, elles sont toutes indiquées, mais là, je ne les retrouve plus. Ils sont en bord de mer.
Je sais même plus où sont les trucs de Bowser, mais bon, passons. Oui, voilà, il y a déjà le casino Bowser qui se trouve ici. Et puis il reste un autre tuyau, je ne sais même pas où il est, mais bon, passons. On finira bien par le trouver, vous inquiétez. Voilà, donc allez, c'était top top donc pour cette 8ème partie sur le let's play de Mario Party Advance. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et comme j'ai dit, bah, lors du prochain épisode qui sera le dernier, bah, on ira faire les dernières missions de Bowser. Et s'il me reste encore un peu de temps, j'essaierai de vous montrer certains catatrucs. Voilà. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.